Sur ce plateau de jeu, deux joueurs de Paris Saint-Germain vont s'affronter. Des questions sur l'histoire du club et des questions sur ce merveilleux pays du Rwanda. Que le meilleur gagne! Ok, c'est très simple. Vous allez choisir dans un premier temps l'animal qui va vous représenter. Après, on va jouer chacun un dé. One for you. One for you. Oh! Déjà! Sur un lion. Moi, je joue pas si j'ai pas. T'as vu comment il a fait? Moi, je joue pas, je vous le dis clair. Dites-lui, me donne mon lion, sinon je joue pas. Au Sénégal, on est des lions. Le lion de Sénégal. Le lion de Sénégal. Tu vois, c'est dans ça que ça marche. Tu jettes le dé, tu avances. Il y a une question, si t'es rouge, une question sur l'histoire de Paris Saint-Germain. Question bleue sur le Rwanda. La bonne réponse fait que tu avances, une mauvaise réponse et tu recules. Idrissa. C'est un marathon. C'est à toi. 4. Question bleue. Question bleue sur le Rwanda. Qu'est-ce que c'est que le Big Five? Est-ce qu'on parle d'un check entre deux amis rwandais? Les 5 animaux totems de l'Afrique ou un groupe de rock de Kigali? Est-ce que c'est les 5 animaux? Les 5 animaux, bien sûr! Et tu avances 3 places de plus. Voilà, c'est ça, les 3 de plus. Voilà. Elle doutait un peu quand même. Vas-y, ça tombe comme ça de temps en temps. C'est sorti du jeu, normalement. Non. C'est la vérité. Vas-y. Allez, mauvais joueur. 12, c'est une question bleue, c'est une question sur le Rwanda. Parler avec douceur permet de faire passer quoi? Est-ce que c'est parler avec douceur permet de faire passer une vache par une porte étroite? Wow. Est-ce que parler avec douceur permet de faire une chèvre sur le banc? Et est-ce que parler avec douceur permet de faire passer un zèbre pour une licorne? Il n'y a pas de licorne. Alors? Ah, mais bien sûr. Parler avec douceur. Il fait exprès, moi j'abandonne. Permet de faire passer une vache pour une porte étroite, c'est la bonne réponse. Bonne réponse, tu avances 3 de plus. Wouh, Ghana. 3, 15. Il va finir le jeu vite, il n'y a pas de souci. Regarde. 5, 3. Il a fait 3. Il n'a pas fini de tourner, c'est un voleur. Et toi, tu veux question rouge. Tout, tu te donnes mon bras aussi. Oh, Paris Saint-Germain. Comment on en gagne? Ah, c'est plus facile. On passe à autre chose. C'est un défi maintenant. Ça s'appelle la carrière. C'est un ballon traditionnel de Rwanda. Si tu arrives à le garder sur ta tête pendant 10 secondes, tu vas avancer 3 de plus. C'est facile, Ghana. Ouais, easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a fait. Ils vont vite les secondes chez toi. Ils vont vite les secondes chez toi. Mais pour finir, il faut avoir le chiffre exact. Le chiffre exact, bien sûr. Moi, je fais 3 depuis tout à l'heure, donc. Espèce de mauvais joueur. Tiens, 6. Ah, seulement. C'est fait exprès, tu vois. Question rouge, c'est un défi. Presnel, pour toi. Allez. Est-ce que tu veux, pour avancer de 3 places, manger un morceau de piment de Rwanda? Aïe, aïe, aïe. Ça c'est chaud, ça c'est question épicée. Wow. Question épicée. Voilà le pain. Voilà donc l'épice qui vient de... C'est la akabanga. C'est la akabanga. Ok. Ça, attention. Non, juste pas. Deux gouttes. Hein. Fais gaffe. Deux gouttes, tu veux le faire? Deux gouttes. Non, vas-y, fais-le. Deux, je te deux fais gouttes. Confiance. Fais gaffe. Attention. Goutte numéro. Vas-y. Ah, il n'a pas touché. Ah, il n'a pas touché. Ça se voit, ça chauffe. Même mon doigt, il brûle. Fais pour toi, y a pas de moi, je fais, je veux gagner, mon gars. Est-ce que c'est le piment de la victoire? Aïe, Seigneur. Est-ce que c'est bon? Aïe. Mon bébé, mets la langue d'abord. Alors? Il a dit moi du piment. Ça va. But ladies and gentlemen, je suis obligé de prononcer que le vainqueur est Paris Saint-Germain. Presnel Kimbembe.